C'est avec le sourire, un record et un sous-marin chargé d'échantillons biologiques et de prises de vue que James Cameron est remonté à la surface la nuit dernière dans le Pacifique. Le réalisateur d'Avatar et du Titanic a plongé à 500 km au sud-ouest de l'île américaine de Guam. Il a atteint le point le plus profond de la croûte terrestre. C'est un long trajet quand tu dépasses la profondeur à laquelle se trouve le Titanic, puis celle du Bismarck, et puis tu vas jusqu'où les sous-marins de poche Mirs peuvent aller et tu n'es qu'à la moitié du chemin, qu'à deux tiers. C'est fou! C'est à bord de ce submersible que le cinéaste canadien a pu descendre jusqu'à 10 898 mètres de profondeur, jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, connue sous le nom de Challenger Deep, une zone qui n'avait été atteinte qu'une seule fois, en 1960, par deux hommes. James Cameron est le premier à s'y être rendu seul. C'est un habitué des explorations sous-marines. Il en a effectué 6 vers l'épave du cuirassé allemand Bismarck, coulé en 1941, et 12 vers l'épave du Titanic.